Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Zoners. Nouvelle vidéo, on va parler de la saison 7 et notamment du fait qu'elle est pour ma part déjà finie, je suis niveau 79. J'ai déjà pris des récompenses, on va aller se les ouvrir après, sachant que pour l'instant, il y a un skin, celui-là je crois, qui fait un peu planter le jeu. D'ailleurs si vous l'avez et que votre jeu met du temps à charger quand vous arrivez en zone avec le chopper ou quoi, sachez que ça vient de là et que du coup il faut l'enlever, je pense que ça va être patché rapidement. Et voilà, donc j'ai tout débloqué. J'ai avancé là-dedans au niveau de pit, j'avais je sais pas combien de minerais, là j'en ai plus que 8000, ce qui est beaucoup, faut que j'aille les claquer. Et j'ai 34000 minerais avec Horace, sachant que je prends uniquement les armes de Genèse. Donc là en gros j'ai récupéré quelques armes de Genèse. Où est-ce qu'elles sont? J'ai récupéré des ultimatums, des neutraliseurs, j'ai eu le sniper aussi. Bah le sniper est là, je suis con. Et d'autres trucs après avec. Et du coup, ça met plutôt bien toutes les 8 heures. On peut acheter des trucs là-dedans. Ça régale. Alors, perso, uniquement les armes de Genèse. Le reste, je prends pas. Et j'attends la fin de la saison pour ouvrir ces caisses-là. Du coup, c'est sans de la monnaie. Je sais pas exactement le nom de cette monnaie-là, mais du coup, ça coûte 100. J'en ai 34 290, ce qui fait 342 caisses à ouvrir. Ce qui est plutôt pas mal. Hein, ce qui est plutôt pas mal. Plus, du coup, après les 8000 de pit qu'il faut que je transforme, ce qui va me donner à peu près 16000. Donc on est sur du peut-être 500 caisses à ouvrir à la fin de l'event. L'event il est incroyable. Genre honnêtement, c'est ce que j'expliquais, je le répète à chaque fois, mais je fais pas de vidéo, je joue quasiment pas en dehors des saisons. Je vais faire que des trucs en automatique ou quoi. Pas m'embêter, pas faire de vidéo ou autre, pas trop dépenser de stuff pour ça, parce que lors des saisons c'est incroyable. Donc bref, je vais ouvrir les caisses. Le pack des dernières frontières que du coup j'attendais. J'ai vu que j'ai fait mes vagues hier soir et que là je suis en train de faire le laboratoire. Je vais vous montrer après un truc pour le laboratoire. Je vais vous montrer un truc pour le laboratoire parce que c'est incroyable, c'est une compétence qui est incroyable que j'ai débloqué du coup dans la dernière vidéo. Et elle est OP du fion, vous allez voir, c'est un truc de fou. Bref, dans ce pack là, on a des tenues K, B, D, C, je sais pas quoi, NR, B, C. C'est toujours des tenues gratos. Il y a des C4, les C4 je m'en fous, j'en ai trop, ça me sert à rien, je fais jamais de raid. Les lance-grenades, c'est cool parce que du coup j'en nique un peu dans cette saison là vu que avec les vagues ça me sert un peu. J'en lâche 2-3 grenades par vague, ça dépend des fois des vagues et tout. Mais voilà, après il y a ce truc là qui est un meuble qui en gros produit du minerai. Comment dire, vous le posez dans votre base et il vous lâche des ressources qui sont minables en fait, donc tout type de ressources minables. Attention, minables qu'on peut miner, pas les ressources minables comme bref. Donc voilà, ça régale. En plus, c'est pas mon délire, mais c'est sympa. Et voilà, on a un petit sac à dos du coup avec un espèce d'équipement de plongée, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment de la plongée, mais bref, vous voyez le délire. Et du coup, on a un équipement de mineur. Deux mineurs du coup, qui est pas minable, mais deux mineurs. Je trouve pas incroyable, j'aime bien, c'est pas incroyable, mais voilà. Par contre, ce que j'aimerais surtout qu'on puisse faire, c'est que je puisse prendre par exemple juste le casque de cette tenue, la chemise du bûcheron, le pantalon d'un autre truc et tout, et ça serait incroyable qu'on puisse faire ça. Mais pour l'instant, bref, 24 caisses, on va les ouvrir. Je m'attends à avoir au moins un truc parce que d'après les stats on est censé avoir un truc extrêmement rare sur 20 caisses. Voilà, on a 5% de chance, donc 5% de chance, on va dire que sur 20 caisses, on est censé avoir un truc, même si mathématiquement, c'est pas ça. Je crois que pour être garanti, il faudra ouvrir genre 40 ou 50 caisses pour être garanti d'avoir un truc. Mais disons que... dès la deuxième caisse, en fait! Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'ils croyez? Deuxième caisse, on récupère un truc, c'est incroyable la chance. Après, c'est le meuble. Moi, ce que je veux, c'est le meuble, le sac à dos, pourquoi pas. Mais il me faut surtout le... Les gars et les filles. 5 caisses, on a 2 trucs extrêmement rares. Est-ce que c'est pas la meilleure saison depuis le début du jeu? Par contre, comme je dis, il me faut le meuble. Je vais pas faire le mec, j'ai ouvert 5 caisses, on a eu le skin et le sac à dos en 5 caisses, mais il me faut le meuble. Il me faut absolument le meuble, s'il vous plaît, le jeu, parce que j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir, parce que du coup, on avait nous eu des... pas des teases, mais on avait eu 2-3 trucs et tout, comme quoi ça sortait. Et je l'avais vu, et apparemment c'est OP de chez OP de chez OP. Du coup... je sais que de toute façon la saison je vais la grind de ouf, même si je fais pas les quêtes. Je fais que les envois, les quêtes je les fais pas parce que ça me saoule de... En fait, les quêtes donnent tellement peu par rapport à aller en zone rouge ou en zone orange ou en zone verte farmant en auto juste pour récupérer des points et faire les vagues là-bas, et on récupère le... On a tout eu en
24 moins 8, 16. On a tout eu en 16 caisses dans cette saison. C'est incroyable. J'ouvre pas le reste des caisses parce qu'il y a plus de système à récupérer. Je m'en étouffe. Incroyable cette saison. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Bref, on va aller checker ça après. Je pense que la vidéo va être un peu longue parce que je voulais vous montrer d'autres trucs. On va aller s'ouvrir également les caisses au laboratoire vu que je gardais mes tickets pour les vidéos et pour les ouvrir là avec vous. Faut que j'aille faire le mode hard et en fait j'ai débloqué une compétence au labo qui est la compétence, enfin l'amélioration de la compétence passe-partout, parce que la compétence passe-partout tout le monde l'a, mais j'ai pu l'améliorer et en gros en l'améliorant vous allez voir le loot dans les caisses, il est incroyable, genre il est vraiment incroyable. Attendez, je vais déposer ça parce qu'on va aller looter le labo pour vous montrer du coup hop, ce que ça donne. J'ai plus de place ici, on va se dépêcher. D'ailleurs je vais prendre une arme sur, non je vais les enlever, j'ai peut-être de la place pour mettre les armes dans l'autre coffre. Ah mais attendez, mais non, faut que je garde des armes, parce que j'ai pas fini de clean. Tiens, on va aller claquer la M16. J'ai pas fini de clean, parce que du coup, j'ai tout fait. Juste, j'ai laissé les salles avec le truc de passe-partout à ouvrir pour les faire dans la vidéo et vous montrer à quel point le loot il est incroyable. Genre, le loot il est vraiment incroyable. Je vais lâcher les bandages, parce que de toute façon, j'avais pris le truc où on peut dodge les attaques où ça fait des misses. Du coup, le c'est pas insensible. Agilité. Peut-être agilité, je sais plus comment elle s'appelle la compétence. Mais bref, d'ailleurs, je sais pas si cette compétence-là, elle s'améliore. Si elle s'améliore, c'est incroyable. Il y a une autre compétence, d'ailleurs, que j'ai améliorée, mais que j'ai débloquée, du coup, je crois, en vidéo. C'est, vous savez, il y a une compétence qui permet... il y a une tête de mort dessus. En gros, la compétence permet que tous les mobs, sauf les boss, perdent 15% de leur vie. Et 15% de leur vie, moi, à chaque fois... Mode hard, je prenais cette compétence là direct. L'agilité, j'en ai rien à faire dans le mode hard. Je prenais du coup cette compétence là, je crois que c'est désinfection, un truc comme ça. Ok, deux armes de genèse. Je la prenais parce que 15% de santé en moins sur tous les mobs, c'est incroyable. Et maintenant, je l'ai améliorée, elle est passée en bleu, du coup elle est passée en rare. C'est 25% de vie que les mobs perdent. Incroyable. Oh, on a eu un réanimateur, cool. D'ailleurs, j'en ai pas eu, dommage. On a eu un petit réanimateur, c'est cool. Là, on a eu un sniper et une sérame de genèse, dommage. Et là, on a eu deux snipers, une arme de genèse. Oh, on a eu Scar. Je sais pas, on peut voir des Scars là-dedans. Propre. Propre, propre, parce que là, du coup, je suis niveau 26, si je dis pas de bêtises, 27. Après, je débloque un malus. En vrai, le malus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, hein, c'est l'armoire à pharmacie. Là, je vais continuer à grind. Juste pour avoir ce truc-là, en vrai. C'est le seul truc qui m'intéresse. Donc bref, on va aller s'ouvrir quelques caisses avec la compétence du coup passe-partout mais améliorée. Et après on va à la base tester les skins et tout, les nouveaux sacs à dos, tout ça. Parce que ben, j'ai pas eu le temps de les voir en fait. Juste accepter le... En fait, ça prend du temps quand même de faire les vagues. Sachant que la config que j'ai actuellement, j'ai genre 3 pics, un pic au-dessus. Et derrière c'est que des tourelles niveau 2. Et je claque les colts pitons en fait, ces trucs là. Armes. Où est-ce que je vais les trouver? J'en ai plus beaucoup du coup. Mais je. Ouais, voilà, le truc est là tout en haut. Les Colt Python et les Winchester, je les claque ici. Je les claque du coup dans le. Hop. Allez, je vais tout ramasser en speed. Je les claque du coup pour faire les vagues, pour que ça aille un peu plus vite et que ça me défonce pas trop les tourelles. Parce que les tourelles c'est sympa, mais plus elles prennent de coups et plus elles perdent de durabilité, logique. Et du coup, bah plus il faut vite les remplacer et ça m'arrange pas de les remplacer vite. Top. Ah! Le son du jeu est giga fort. Oh, j'ai pas modifié la M16. Ouais, désolé. Le son des balles est quand même plutôt fort. Je vais baisser drastiquement le... Attends, j'ai trop baissé là. Après, en vrai, je pense pas qu'il y ait trop de zombies à tuer. Hein. Je pense que j'ai tout clean. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait le truc qui faisait que les zombies respawnaient. Donc bref, regardez. Là, d'habitude, on est habitué à avoir genre 5 tickets... Ok, bon là, peut-être que la compétence a pas marché. Oh non, ils ont respawn, il y a le truc de mort. Attendez, vas-y, on va s'en occuper d'eux. Vas-y, venez, toi viens. Venez, je vais vous montrer comment je fais quand eux ils spawnent, parce que eux c'est extrêmement chiant quand ils viennent. Et heureusement que j'ai pris l'agilité, j'ai failli pas prendre l'agilité à ce run là. Du truc à claquer d'huile. Bon attendez, j'attends qu'ils viennent bien. On va aller ouvrir la porte. Par contre, là, faut que l'agilité marche. Voilà, nickel. Vamos, vamos, chicos. Por donde está que se pasa la gana, si, señor. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos.
Hop, on fait ça, on trace. Et là, normalement, vous allez voir, ils vont se retrouver bloqués derrière le truc. Et ensuite, on peut aller péter la vulve tranquille. Enfin, non, la bulle. J'ai dit une bêtise, je crois. Après, c'est utilisé aussi pour d'autres choses. Hein. Vas-y, bref, on va voir ça. Bon, par contre, ils vont re-être devant le truc. Donc, il va falloir que je prenne l'ascenseur rapidamente. Hop. Là, il y a le truc de gaz, mais je suis pas full vie du coup. Aux F. Hop, on va passer par là. Donc, attendez, j'ai un doute parce que il y a bien l'icône du passe-partout là dans les bonus que j'ai pris. Et il est bien en bleu. Ok, 4 tickets, on a eu de l'acide. Donc celui-là, normalement, vous allez voir, le loot, il est mieux que dans les caisses basiques. Et normalement, on a 4 trucs. Bon, on a 6 tickets au lieu de 4 ou 5. Mais je vous jure que en mode hard, j'avais full truc dedans, en fait. Peut-être qu'en fait, le loot est différent du hard du normal. Enfin bref, le loot est toujours amélioré. Parce que regardez, je l'ai bien en bleu. Hein. Enfin, il est en... Voilà, le nombre d'objets par pièce augmente. Du coup, c'est pas ouf en normal, mais en hard, j'avais 4 items par salle et j'avais genre 7-8 tickets. Et j'étais en mode, what the fuck? Parce que 7-8 tickets du coup par coffre, il y a en plus des coffres qui étaient pas dans les salles passe-partout où le loot était aussi up. Je sais pas si c'est un bug ou pas, j'en ai pas trop parlé au dev parce que bah, si c'est un bug, j'en profite. Mais j'ai vu même des coffres normaux qui étaient giga up et tout. Du coup, j'en avais parlé sur le Discord du clan et tout, j'étais en mode incroyable. Et tout le monde m'a dit, ouais, mais en fait, c'est comme ça. Ouais, t'es teubé, tu connaissais pas. J'étais en mode, non, je ne connaissais pas. Il fallait me dire en fait. Peut-être que j'en aurais profité. Mais ouais. Et du coup bah je suis pour ça que j'ai grave les boules de pas avoir rendu mes systèmes de réputation plus tôt. Bah parce que du coup j'aurais peut-être pu avoir cette compétence là plus tôt et me faire kiffer de ouf un peu plus tôt. Ouais voilà, donc là vous voyez on a 8 tickets, donc là la compétence elle a bien marché, on a 8 tickets et en vrai de vrai ça régale parce que normalement, enfin c'est pas normalement, c'est même sûr, vous avez plus de tickets par étage. Du coup bah là je suis déjà à 58. D'habitude on est à 54-55. Bon par contre le boss, le loot sur le boss était à chier, hein. J'ai eu 3 tickets sur le boss, j'étais un peu dégoûté. Donc, hop, attends, on va boire, on va manger, je vais faire ça, on va supprimer ça. Je suis à 61 tickets, en général on en a 54, 55 on va dire, un peu plus de 50. Pas de ouf, mais un peu plus de 50. Et là en vrai, juste j'ai pas eu trop de chance. Attends, on va faire ça, on va les attirer par là. Et après je vais me barrer. Hop, salut les gars. Full miss, hein, incroyable la compétence, vraiment elle est incroyable. Hop, et on se bat. Salut les nazes. Donc bref, on va récupérer. Je sais pas si on récupère des trucs, je pense que je vais direct aller à la base. Parce que de toute façon, je vais laisser. En général, j'ai ce loot des armes à feu sur place. Vu qu'en plus de ça, bah, le stockage maintenant il est amélioré. Pas de ouf, mais il est amélioré. Du coup, ce qui permet de stocker. Au début, j'étais pas content parce que bah, vous savez qu'il y a une des compétences qu'on récupère en labo qui permet d'augmenter le stockage qui est dehors. D'ailleurs, là, si vous demandez ce que j'ai eu le snipe. Ah non, j'ai une disquette ici, je suis idiot, le snipe c'était hier. Enfin, avant-hier du coup, parce qu'il a reset hier soir. Je sais plus quand c'était, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Donc bref, il y a un coffre à l'extérieur, et en fait on peut améliorer ce coffre avec les compétences du labo en hard. Au début je me disais, bah c'est naze parce que frère, je suis à ma base, je peux stocker loot à ma base, revenir, et au pire, je me fais tuer dans le laboratoire. Moi c'est ce que je fais en général, quand j'ai plus de stuff, je me fais tuer dans le laboratoire, du coup ça me ramène à la base. Je prends des armes et tout sur moi, je marche, je vais au laboratoire et ensuite au laboratoire bah, je récupère mon stuff à l'entrée et basta en fait, tout simplement. Hop hop, je vais laisser le heal ici, j'en ai plus besoin. Donc ouais, je l'ai encore amélioré. Bah, de toute façon j'ai pas le choix, c'est sur la liste des trucs. Et au final c'est propre. C'est propre parce que bah, ça me permet de stocker le loot des coffres et de pas m'embêter. Donc bref, on va aller... J'allais dire changer le skin, mais en fait je peux pas changer de skin parce que le skin bug, je peux le mettre par contre en multi, on peut peut-être aller faire un tour en multi après juste pour le changer, mais je peux changer de skin de perso. Le sac à dos, je suis pas giga fan avec la bouteille d'oxygène et tout, mais il y a un sac à dos sandwich que je trouve vraiment stylé, par contre il donne faim, il donne vraiment la dalle parce qu'en plus là il est bientôt midi, je commence à avoir faim. Et ouais. Donc ouais, du coup, il y a les quêtes. Ces quêtes-là, je les fais pas parce que je crois que celle-là, elle rapporte 20. Celle-là, elle doit rapporter 15. Et je les fais pas parce que c'est ce que va me donner deux vagues. En fait, c'est ce que va me donner deux vagues là-bas. Et deux vagues, bah là, je peux encore faire 82 vagues. C'est ouf de se dire. J'ai pas encore fait le hard en plus. Faut que je fasse le hard. Et ce soir et demain soir et tout, je pense, je vais, comme d'hab, hein, passer mon temps en zone rouge, en auto-farm et tout.
Mais pour récupérer des points du coup, parce que là en vrai de vrai, je pense que le jeu, je vais éviter de fermer le jeu pendant 2 semaines. Je pense qu'il va être toujours, même à farmer dans des zones vertes, hein, même tu laisses le téléphone dans ta poche, en zone verte, t'as combien de chances de mourir en vrai? Il n'y a pas de chance de mourir en zone verte. Tu vas, à limite tu mets une tenue où tu vas à poil, avec 2 pieds de biche, au pire tu meurs, c'est pas grave, t'as gagné des points, et sinon voilà, enfin... Ah la saison elle est incroyable, vraiment trop trop bien la saison. Donc bref, j'ai... Ce truc-là à placer. Ah, faut le placer par terre! Non! Général Bol de ces trucs-là, vous cassez les. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, ça ressemble à ça. Eh, c'est derrière un mur. Ah, vas-y, c'est bon, je vais bouger. On va bouger ça, vas-y, je fais ça pour vous faire plaisir, mais. Ah, c'est parce que je suis sur le carré, ça le dérange. Je vois, monsieur est exigeant. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas incroyable. Récompense reçue. L'appareil refroidi. Ah, l'appareil refroidi. On a eu un minerai de cuivre. Enfin, c'est pas incroyable, mais en vrai, c'est gratuit. Je sais pas c'est tous les combien, je sais pas c'est toutes les heures et comment ça se passe. Par contre, je le rebouge, hein. Désolé pour celles et ceux qui voulaient le voir là, mais je le rebouge. C'est pas incroyable, mais c'est gratuit. Et comme d'hab, hein, c'est gratuit, t'es mal à taille du rein, je prends. On va pas se gêner là-dessus. Hop. Donc, je voulais changer, c'est pas ça. Ah ouais, c'est le. C'est l'espèce de penderie pour changer. D'ailleurs, faut que je relance mes établis. Je relance mes établis. Est-ce que ça finit? Attendez, hop. Passer par là. Est-ce que ça a fini? Yes. Attendez, je vais supprimer les câbles. Allô? Pourquoi je peux pas. Mon jeu a full bug. What? Je pouvais rien cliquer. Trop bizarre. Donc bref, hop, on va sortir, on va aller ouvrir les trucs. Et en plus de ça, là je pense que la vidéo sortira aujourd'hui. On est mercredi. Il y aura un giveaway samedi, mais je vous ferai une vidéo du coup qui sortira sûrement vendredi. Je vous ferai un, il y a un giveaway de saison comme d'hab. Il sortira du coup samedi, mais je vous ferai la vidéo vendredi, je pense, pour vous parler du giveaway. Et ouais, c'est sympa. C'est juste dommage. En vrai, le seul truc que je trouve dommage avec les skins, c'est qu'on puisse pas prendre les chaussures d'un skin, le haut d'un autre skin, la tête d'un autre skin et tout. Parce qu'en vrai, moi, j'aurais grave kiffé. Putain, j'ai tellement hâte de l'avoir cette tenue. Elle est moche, hein, je vous dis. Je me suis spoil exprès. Je suis allé voir les versions hack sur YouTube et tout. Et elle est moche. Par exemple, en vrai de vrai, ce casque-là, cette veste-là, ce jean-là. Ouais, les chaussures, ils ont toutes fait des boots pour les mecs. Ok. Par contre, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne sur Meuf. Bon, bah, on va se taper avec ce skin-là, cette saison-là. Cool. Cool. De toute façon, on a enfin des skins. Je vais pas me plaindre. Hein. Je suis fan de tout ce qui est cosmétique et tout. Je kiffe. Juste dommage qu'on ait dû attendre si longtemps pour les avoir. Mais maintenant, ça régale. Maintenant que c'est là, en vrai de vrai, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à farmer les saisons. Enfin, un intérêt. Je sais que ça, c'est un truc, ça fait débat à chaque fois. Hein. Les gens sont là en mode, ouais, tu farmes, mais pour avoir des skins et de la cosmétique. Bah ouais. Bah ouais. Du coup, pour certains, c'est, on va dire malheureusement ce que les jeux mobiles sont devenus. Mais pour moi, ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, je kiffe la cosmétique et tout. Donc on va rentrer. Et en plus de ça, normalement, fin de semaine, dimanche ou lundi. Mais je crois pas lundi, je crois plutôt dimanche. Je peux augmenter l'appartement de level. Et on verra si le prochain level c'est de la douille, sachant que le prochain level c'est 250 000 tickets bleus. Ça me désespère. Et attendez, pourquoi j'allais en multi moi déjà? Ah oui, pour la moto, je voulais voir la moto. Attends, on va récupérer ça. 10, 10, 10, 10, nickel. Donc ouais, je crois bien que samedi, j'ai plein de, samedi, dimanche, j'ai plein de trucs qui arrivent. Ouais, 2 jours, 3 jours et 5 jours. Donc normalement, dimanche, je peux level up l'appartamento. Là, je suis à 206 000. 250 000, on en fait à peu près 40K par semaine. Donc normalement, dimanche, je peux l'améliorer. Hip, ou au lundi début de semaine prochaine. Alors, en termes de skin, hop. Ouais, donc il y a le motif. C'est un motif de la saison, ça? Quel motif là? En vrai, vrai de vrai, il est stylé. Hein. Je pense qu'une fois que je l'aurai, une fois que ça sera debug et tout, je le mettrai sur ma moto dans le solo. Attendez, c'est un motif de la saison, ça? Motif vagabond? Est-ce que les gens du clan ils ont quoi? Ah ouais, c'est. C'est lequel celui-là? Ah non, j'ai rien dit.
J'ai un dit. En fait, il brille pas. Je m'attendais à ce qu'il brille de ouf. Ah, il brille pas beaucoup, hein. Je suis un petit peu déçu. Il y a moins de brillance que ce que je pensais. Mais attendez, le skin chariot, là. C'est un skin de la saison? Ça, c'est le vagabond. Ah, c'est vrai qu'on a eu deux skins de sac à dos. Celui-là, je suis pas fan, en vrai. Enfin, sur meuf, il doit être bien parce qu'il est petit. Ah oui, j'ai ça à placer aussi, que j'ai pas placé, attendez. J'ai oublié que j'avais eu ce truc. Ah ouais, bah ok. C'est en premium, on est d'accord? Je crois que c'est dans le truc premium. Je sais jamais si le level 1 il est en premium ou pas. Il est peut-être gratuit. Je sais pas. Et au pire, de toute façon, vous aurez 5 passes samedi à gagner sur mon Twitter, je vous en parlerai en vidéo. Mais ouais, la vidéo elle sort aujourd'hui, mais j'allais dire dépêchez-vous parce que je sais qu'il y a déjà des gens, vu qu'on est mercredi, il y a déjà des gens qui ont fait leur giveaway lundi et mardi. Du coup, si y a des gens qui n'ont pas la saison, essayez d'aller gratter. Parce que sur le Discord du jeu, qui est disponible depuis le jeu, hein, vous cliquez sur paramètres, vous avez l'icône du Discord, vous rejoignez et ils font des annonces tous les jours sur les personnes, les streamers, les streameuses ou les youtubeurs, youtubeuses, etc. Les gens qui font des vidéos ou du contenu sur le jeu, qui du coup vont faire le concours. Donc même si vous ne parlez pas la langue, allez sur le YouTube, le Twitch, le Twitter, tout ça et tout, de où la personne fait le giveaway. Tapez-vous l'incruste, essayez de gagner. Sachant qu'en plus, bon, technique de crevard, mais vous pouvez gagner plusieurs fois et avoir plusieurs fois le plus 10, ce qui vous permet de récupérer bah, soit 10 levels, soit 10 caisses en plus, même si la saison en vrai de vrai elle est ultra chill. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le meuble. Il faut que je le récupère d'abord. Mais on a du coup récupéré une balançoire cette saison, mais c'est une balançoire qu'on avait déjà. On avait déjà un genre de balançoire comme ça. Ouais, je sais pas où c'est par contre. J'aurais dû checker, c'était pas dans autre. Ah non, c'est la fissure. On va la mettre dehors parce que je pense que ça va pas se mettre sur le sol, ça. Placer à terre. Pourquoi placer à terre? Casse tes cacahuètes. On va sortir. Le sac à dos, c'était là-dedans. Ouais, c'était là-dedans. Je suis dégoûté, moi, il y a plein de sacs à dos que j'ai pas, en fait. Hein. Il y a des sacs à dos des pays. Il y a d'autres sacs à dos que j'ai pas. Parce que le truc, du coup, en plus, Amazon bug sur iOS. Donc, il ne l'est pas. Ah, mais ils sont là, je suis con. Ah, vrai, le sandwich il est stylé. Hein. Je sais pas c'est lequel votre préféré, mais moi je trouve que le sandwich en vrai, j'aime bien. Il est grand, mais il est pas gros. Notez la différence. Et je trouve il passe bien en vrai. Hein. Bon, la balançoire. Où est-ce que je vais la mettre? Il me semblait qu'on avait déjà une balançoire comme ça. Bah là, regardez. C'est le même, non? Ah, par contre, celle-là on peut la mettre de tous les côtés. L'autre on peut la tourner que de deux côtés. Bien. Vas-y, je vais la mettre là, même si je me barre jamais par là. On peut s'en servir ou pas? Ah, ça c'est dommage qu'on puisse pas s'en servir. J'aurais bien même pouvoir me poser dedans et tout. Ah, je suis presque déçu. Je suis presque déçu, mais en vrai, j'ai tout eu pour 16 caisses, c'était ça? Est-ce que c'était 16 caisses ou c'était plus? J'ai un doute. Mais bref, dans tous les cas, cette saison elle est incroyable. Je répète à chaque fois, hein, mais la saison elle est rentable de ouf. Le seul bémol. Si je peux dire un bémol, en vrai de vrai. Le seul bémol que je trouve, c'est que là, pour avoir le skin, il faut que je claque des minerais. Sauf que, vous voyez, la barre récompense spéciale, elle avance en fur et à mesure des points que je dépense directement chez Pit. C'est-à-dire que, bah, pour avoir les points là chez Horace, j'ai dû claquer du coup 68 000 minerais comme ça. Non, je suis con, c'est l'inverse, c'est pas x2, c'est divisé par 2. Du coup, j'en ai claqué 17 000. Mais en fait, faut que j'ai claque chez Horace, chez Pit, si je veux que la barre elle augmente. Parce que là, vous voyez que du coup, bah, chez Horace, comme j'ai dépensé des points et que j'ai acheté des armes, la barre elle augmente. Mais chez Pit, du coup, j'ai acheté 2-3 fois des armes. J'ai pris 2-3 caisses pour voir le loot qu'il y avait dedans et tout, et ce que ça donnait. Mais du coup, bah, le skin qui est ici, je pense que je l'aurais pas parce qu'il faut que j'achète directement chez lui. Et que je préfère transformer les points de Pit chez Horace pour ouvrir cette caisse-là, vu qu'il y a des armes de genèse et que le loot il est incroyable dedans. Et je pense que. Soit je vous fais plusieurs pack opening, soit je fais une grosse vidéo pack opening, mais ça va durer 15 ans parce que nombre de caisses qu'il y a à ouvrir, etc. Ça risque d'être très 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 long. Du coup, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus. Moi, je vais aller faire le mode hard du labo avec mon nouveau skin et tout, qui est incroyable. Le sac à dos, je le kiffe, il est trop stylé. Bref, amusez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, salut, bye bye.